Bon les amis, Elilu, bon nouveau vlog bien sûr, likez et voilà, c'est sur YouTube vidéo. On fait vidéo aujourd'hui, News Farming Simulator. Je vous avais juste le compte abonné, je viens juste de rentrer chez moi il y a un quart d'heure. La vidéo va sortir à 17h dans moins d'une heure. Vous avez vu, il est 4h, la vidéo faut qu'elle sorte à 5h. Donc exactement, voilà, faut qu'elle sorte à 5h actuellement, donc voilà, c'est un peu chaud. Donc let's go, c'est parti pour regarder la News Farming Simulator en entier. Bande donc, Farming Simulator 22. It's coming, bande d'annonce. Ok, c'est parti, let's go. Peut-être bien changer de compte parce que c'est traduction. Bon, on va changer de compte. On va changer de compte pour être sûr qu'au moins il n'y aura pas de problème. Let's go, c'est parti. A wise man once said to figure out how to dig the soil, tend the earth. To figure it ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. Don't think it's a game. Farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Une date du jeu. On a une date. Le jeu sort le 22 novembre 2021. C'est vrai que l'autre est sorti le 20, il sort le 22. Donc 22 novembre 2021, ça va nous laisser avoir les news. Voilà, donc 22 novembre, le jeu il sort. Déjà, vous savez la date qui sort. Voilà, ça sort sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One. Donc déjà, ça vous savez, PC Stadia et Mac. Donc ça déjà c'est une chose, déjà on sait la date de sortie du jeu, voilà, déjà on va pas se retrouver un peu con, voilà, donc il nous a annoncé la date de sortie du jeu, donc la date de sortie tout ça, et voilà, on va pouvoir faire les petites vignes, donc les vignes on va pouvoir les faire dans Farming Simulator 22, et d'ailleurs ça va être incroyable, une activité qu'on va faire une nouvelle série sur les vignes et tout ça, donc on a une série à prévoir sur la chaîne YouTube pour 2022, peut-être une série sur le blé, peut-être sur chaque culture que je vais vous prévoir sur la chaîne. On aura peut-être le temps de faire ça, d'avancer en live, parce que bon, ça se met une série qui va devenir 3-4 épisodes. De chaque culture, le blé, le colza, tout ça, j'ai envie de faire ça sur la chaîne. Donc là, il y a la vigne, donc encore un truc en plus, acheter le matériel et tout ça. Donc on va cheater l'argent, évidemment. On va beaucoup cheater, mais un petit peu cheater quand même. Les ouïes vont le faire un peu, nous on va faire en stream, évidemment. Voilà, ça sera intéressant. Toutes les séries qu'on va faire sur Farming Simulator 22, vraiment, j'achèterai le jeu Day One. Donc ça, c'est le jeu que je vais acheter du moment Day One. Et que on va faire sur la chaîne évidemment, donc on se profite jusqu'au mois de novembre sur Farming Simulator 19 avec encore une nouvelle série qui arriveront vers la fin de l'été, vers le mois d'août pour la dernière série,
Puis après, je pense qu'on va en tête 2-3 semaines, on arrêtera farming, et voilà, tout ça, parce qu'on aura terminé en farming 79. On aura normalement sur farming 722. Évidemment, je pense que jeudi soir, on va peut-être faire une compilation, et je pense qu'on fera une vidéo sur ferme de base la semaine prochaine, avec tous les news un petit peu qu'on découvre et tout ça, parce que c'est vrai que j'ai envie de faire une petite vidéo sur ferme de base la semaine prochaine. J'ai peut-être publié les Funotier Square, mais je sais pas. Je les ai déjà, donc voilà. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard de ça. Donc voilà, franchement, on aura tellement de choses à faire. La boulangerie. Donc voilà, pour encore utiliser le blé tout ça. Donc la boulangerie, on va d'abord comprendre les méthodes, on va peut-être faire aussi des séries sur les animaux. Enfin, énormément de séries sur 2722. Pas beaucoup, là ça va peut-être durer quoi, même pas un mois de série. On va faire partir de rien. Saison 2, ça, je vais vous le dire, on va le faire. Ferme de base saison 2, on va le faire. Mais le bleu, ce sera une petite série, peut-être on s'en sera. Voilà. Donc peut-être on lancera deux séries culture en même temps. Donc voilà, les parties de rien, tout ça, ça se rendra peut-être bien. Le blé, peut-être pas forcément. Parce que le blé, bon voilà, on va faire vraiment d'accélérer. Et voilà, ça sera vraiment intéressant aussi. Bon, donc ça, on a un petit peu vu. On va peut-être pouvoir. Alors, je sais pas trop, mais je sais pas. Donc, oui, alors, je pense. Donc, ça, je pense que c'est la nourriture aux poules. Ça, je me sais avec les fermes. Donc, ça, c'est la nourriture aux poules. Donc on va pouvoir avoir un ferme 1100. Je sais pas si on avait sur ferme 1119, c'est sûr, mais donc il y a vraiment de choses. Ok. Donc, je sais pas si on va pouvoir rigoler. Mais non, c'est rien dans ferme 1122. Donc quoi. Donc ça déjà, ça me sera peut-être quelques petites news déjà. Donc voilà, ça, le petit trailer, on l'a déjà très très vu. Donc évidemment, on va regarder sur le site de Farming Simulator voir est-ce qu'ils ont posté des nouveaux trucs, parce que je n'en sais rien, je le découvre en même temps que vu. Donc quoi. On a peut-être des news sur le grain. Ah, on va pas en parler trop vite, mais on a des nouveaux trucs. Alors déjà, on va se réduire la traduction. Donc peut-être la vidéo sortira bien à 18h. Je pense que mon avis. Je pense que ferme de base sortira évidemment demain. Je me rends compte qu'on va avoir énormément de news à vous présenter. Donc on a les vidéo sortira à 18h. Parce que à mon avis, on aura trop de choses à vous présenter. Donc on va commencer le titre plus la suite du texte, de la première partie du texte. Parce que faut quand même le lire, évidemment. Je vous le garantis un peu quand même. Bon, c'est un peu la merde, je vous le dis. Démarrer votre entreprise juteuse avec des raisins. Bon, ça déjà, vous savez. On va commencer avec la suite. Vous amusez à planter d'innombrables vignes sur les couteaux, sur les couteaux et les champs incurvés. Tout comme vous faites sur une vraie vigne loom avec des rangées de vignes. Vous raillez vos terres agricoles avec elles et faites paraître vraiment idyllique, comme si votre ferme était un lieu de vacances. Vous profitez pleinement de la vue panoramique sur votre propre vignoble. Vous devez prenez soin de vos raisins, bien sûr, avec un équipement spécial. Le fruit doit fertiliser seul. Voilà. Je pense qu'on va pas tout traduire parce qu'on demande y encore. On demande y encore sérieusement. Donc on a l'image. On va pas traduire tout. Ok, donc vraiment les raisins, ça ressemble à ça. Ça ressemble un petit peu comme en vrai. Des cultures à faire, des champs, des piquets à venir et tout ça, mais des filets. J'espère qu'on va faire tout ça sur Farming Simulator 22, mais incroyable. Ah oui. C'est vraiment incroyable. Donc la vidéo sortira à 18h30, donc il y aura peut-être ferme de base. Mais ferme de base sortira à 19h et celle-ci à 17h30. Peut-être 17h, on verra, ça c'est pas sûr. Ok, on verra le temps que l'heure passera. Donc, ouais, Farming Simulator 22, donc ouais, on aura pas mal de choses. On aura. Donc, ça, c'est pendant la croissance. Ok. Alors, c'est quoi, c'est de culture ou pas? Ça me pose un problème, ça. Hein. On va avoir des olives. De l'olive pour plus de charme méditerranéen. Ah, c'est des olives, ça! Ah, ok, c'est des olives! Mais c'est incroyable!
Bah, on va tellement, tellement de culture, on aura tellement de séries. Je pense qu'on va peut-être démarrer d'abord sur les nouveaux cultures. Bon, il y aura la série Ferme de base et Partie de rien. Maintenant, je pense que ça sera à peu près 2 mois après la série, après Ferme Histoire 22, je pense. Soit ferme vers décembre, vers le 15 décembre, je pense, en bleu. 10-15 décembre. Mec, incroyable! Incroyable les abonnés, incroyable les abonnés, mais incroyable les. Ok, donc là on a des olives. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Parce que je ne comprends rien. Heureusement qu'on a, on a traduction parce que je comprends exactement rien. Nouveau type de grain du sorgho. Nutritif. Ah, c'est quoi du sorgho? Oh non, sorgho, j'en ai jamais fait. Donc, sorgho, c'est ça. Ok. On va avoir tellement de culture à faire. Je sais pas, on va peut-être faire des lentilles, je sais pas. On va faire peut-être vraiment découvrir une nouvelle série. On va peut-être faire une série sous le coton et tout ça. C'est vrai que le coton, on n'a pas très beaucoup fait. À part Partage en rien, on en avait fait. Donc, on va essayer de faire une série de base avec. Et on va essayer de faire 2-3 chants. Et puis, ça sera la fin de la série. Voilà, tout simplement. Ça sera peut-être une série très très courte qui durera 2-3 épisodes. Mais voilà, qui durera pas 2-3 semaines. Voilà. Parce que ça, c'est assez intéressant, évidemment. Hein. Ça, les pommes de terre, par contre, il y aura peut-être des saisons 2, voilà. On présentera la même culture, une saison 2, mais avec les mêmes cultures. Des modes, je sais pas. Ok. Donc, ça, ok. Donc, là, on va découvrir. Parce que ça, j'en ai jamais vu dans la miniature. Chaîne de production de raisins, d'olive et de sorgho. Donc, ça sera ici. Ok. Ça, on l'a déjà vu, ça. On l'a déjà vu, mais ouais, donc vraiment, c'est ça. Donc, ça nous donne des trucs. Ok, on sait pas trop ce que ça va être comme boîte. En tout cas, nous, on achètera pas sur boîte. Donc, pour PC, ça sera ça. Donc, évidemment. Ok. On a un nouveau truc, quoi? C'est quoi ça? Un classe 4200 Zerion. Mec, c'est quoi ça? Mec, what the fuck? Mec, franchement, farming là, il est incroyable. Farming 722, il peut être incroyable. On va découvrir des nouveaux matériaux et tout ça. D'ailleurs, on va découvrir déjà sa sortie sur la chaîne Kevin CD. Switch Kevin Off. Pas Kevin CD, Switch Kevin Off. Donc, n'hésitez pas à aller amener cette chaîne là parce que d'ailleurs, on découvrira farming avec ça. Dans sa sortie, bon, je vais aller voir un petit peu avant, mais nous. Mec, ça va être incroyable. On va pas d'autres images, parce qu'ils disent qu'il y a peut-être bien d'autres images. Alors, par contre, le prix, je sais pas combien il coûte. Alors, on va regarder peut-être sur les sites que c'est discount. Je sais pas combien il coûte les prix là-bas. On va se regarder, c'est voir est-ce qu'on a le prix ou pas. Et après, on va se quitter là. Parce que bon, bah, on est quand même 16h16. Faut qu'elle sorte à 17h la vidéo. 16h ou 16h15, je sais pas. Farming. Non, ça va être quand même une belle. Parce que mon PC, le clavier, il est pas bon. Farming Simulator 22. Est-ce qu'on a le prix? On n'a même pas le jeu annoncé. Bon, ouais. Donc, c'est, on n'a encore rien d'annoncé par les sites marchands. Donc, je pense qu'on a eu France s'attendre. Donc, la date de publication sur le 22. Ok, donc on a la date de sortie du jeu. Ok. Voilà. Bon, amis, ça vous aura plu. Bonne amie, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour tout le petit pouce bleu. J'espère vraiment que cette news-là vous aura plu. Bonne nouvelle news. Et donc, on se retrouvera évidemment à 18h30. Pas 18h, mais 18h30. Pour les fermes de base. Voilà. Donc, ferme de base, on aura pas 18h, mais 18h30. Voilà. Allez, amis, à tout à l'heure pour ferme de base. Peace. Et puis, évidemment, on se retrouve évidemment dans une vidéo.